Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Logan Retro Gaming et comme vous voyez, on se retrouve sur W Supercard. Et là, vous devez voir un logo plutôt différent. D'ailleurs, ça va, doit me faire changer mon logo de miniature que j'avais préparé. Car oui, la saison 3 est enfin sortie. Dorian y a déjà joué. On va voir ce qu'elle en donne. Il paraît que c'est totalement nouveau. Il y a des nouveaux styles de match, des nouvelles cartes aussi. Et voilà, bon bref, on verra tout ça dans cette vidéo. Alors voilà, il m'a aussi quand même pas mal. Donc voilà. On va le mettre. J'attends un peu avec vous. Voilà. Bon, donc en gros, si j'ai bien compris, on garde les cartes de la saison 2. Mais voilà. Donc, voilà. Il y a un nouveau mode Royal Rumble. Il y a la carte, il y a les cartes NXT, il y a des cartes qui sortent des cartes, enfin les catcheurs qui sortent des cartes. Faudra que je recrée la team. C'est juste ça, donc voilà. Bon, je pense que je fais une ellipse. Allez, à tout de suite. Et donc regardez. Je vais me connecter. Et là. Le petit freeze. Car ça doit se connecter. Et puis là, bienvenue dans WWE Supercard. Car glisser vers glisser ou utiliser les touches de navigation pour accéder au nouveau mode de la saison 3. Page suivante. Découvrez les nouveaux niveaux de cartes. Vos champions et vos dos de cartes peuvent être définis dans le catalogue de l'écran. Purée, ça a l'air d'être hyper cool. Joignez-vous à des combats en temps réel contre d'autres joueurs en match classé. Et Royal Rumble, on se voit sur le ring. F.O. Bienvenue dans la saison 3 de la WWE Supercard. Elle comprend les modes sauvage, Royal Rumble et classé. Plus de 100 nouvelles cartes ont été aussi été ajoutées. Et 3 nouveaux niveaux, découvrez, affrontez-vous et amusez-vous. Ah oui, j'ai aussi eu Dean Ambrose. Ah bon, ça voilà. Oh, on avait comme ça. Oh, c'est trop frais. Mode sauvage. Mode sauvage, ça doit être le monde normal, il me semble. Ah non, c'est l'âge, oui. Purée. Bon, on va regarder. Bonus d'identification. On est le 4. On est le 17. Wow. Option. Code. Ok. Modifier événement disponible à l'accueil. C'est quoi ça? Va remplir auto. Ah oui, il y a ça qui fait plus sec et l'autre qui fait ça, donc voilà, comme vous pouvez voir, voilà, mes cartes ont beaucoup de... Et le deck RPG, voilà. Oh, maintenant c'est comme ça. Oh, c'est trop beau. La moindre validation du DLC. Quoi, il y a un DLC? Bon bref. On va voir, on va voir, on va voir. Hein? Allez, accueil. Qu'est-ce qu'on a? Pack nostalgie, ok. Jouer maintenant. Jouer maintenant. Obtenir des cartes. Catalogue de cartes. Attendez. Je vais tenir les filles après je reviens. Donc voilà. Donc jouer maintenant. Obtenir carte. Obtenir carte, c'est quoi? Ouais, ok, ouais. Bon, c'est payé. Chambre de fusion, maintenant c'est là. Ça s'est modifié. Non. Mes cartes. Ok, là il y a quoi? Un nouveau truc. Il y a Westermania, Endurci, Elite et Ultime. Donc SummerSlam, Endurci. Oh. Ça a l'air trop bien. Donc catalogue. Catalogue, il y a quoi? Par exemple, en ultime. Ultime, il y a Edge Style, Alexia Bliss. Oh, c'est ma deuxième superstar féminine préférée. Après, bien sûr, Paige. Mais ce que j'ai peur. Sasha Bing. Ok, normalement. Faites qu'elle y est.
Oh non, ils ont pas mis paix, unité. Oh, défi. Choqué, défi. Mais bon, elle catch plus trop pour le moment. Restore, donc là, c'est accueil. Joue, on a le mode Royal Rumble, le mode classé. Le mode classé, il y a. C'est tous les trois essais. King of the Ring, et mode sauvage. Et là, il y a social, donc. Équipe, chat. Oh, chat, ils ont mis amis. Avec le petit smiley où il fait une tête petite bizarre. Ami, ok. Mais on va faire du mode sauvage pour voir c'est quoi. Allez, ça me tente bien. Ouais, c'est juste du mode normal en gros. Mais j'ai envie de voir les nouvelles animations, tout ça. Même si j'aime pas Brock Lesnar, elle est classe, cette photo. Elle est classe. Je suis un des premiers francophones. En fait, je sais pas trop, mais. Oh, qui vous propose ça. Maintenant, il y a carrément un public et tout. Solo masculin charisme. Ça part comme ça. Il y a plus 7 sur tous les joueurs. Comme ça, il y a plus 7 sur tout. Ah non, merde. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire surtout le deck, mais bon, bref. Non, maintenant. Solo robustesse, allez, on va envoyer le petit Dean Ambrose. Nouvelle animation. Oh, les jeux, ils sont un petit peu pas très beaux, mais bon, voilà. Et maintenant, il y a le S2. Je sais pas si vous voyez. Il est écrit pour la saison 2. Oh, j'adore trop! Avéré. Hein. Oh, c'est trop classe. Non, c'est trop classe. Je suis heureux de vous proposer ça. Et voyez, on a vraiment beaucoup de ensemble. Tout ça. Récompense échelle obtenue. Jack Swagger, obtenu en jouant à 450 parties. Ok. Récompense échelle obtenue en jouant à 750 parties. Nikki Bella. Une pioche restante. Non. Non. Si. Attendez. Pour vous, là, depuis tantôt, je suis debout. Mais. Je veux un petit peu m'asseoir. Mais. On va tout de suite l'améliorer. Voilà. Là, je viens de m'asseoir. C'est pour ça que ça fait du bruit. Ok. Ah, les héritages, c'est les premières cartes. Ah, yes. Alors on augmente déjà un tout petit peu pour pas être 3 là, 3 à la ramasse. Peu courant. Ouais, elle est peu courante. Ah, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Je parie qu'il faut juste appuyer sur ça et revenir. Royal Rumble, on l'essayera après. Match classé, c'est quoi? Commencer la recherche. Waouh, trop trop beau la coupe. En fait, trop belle la coupe, mais les graphismes sont hyper beaux, à part les personnes du public, mais bon, voilà. Suis en train de regarder. Ouais, ça va, ça n'existe pas encore tant de batterie que ça. La 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 la. Ok, mode classé. Ça doit être des matchs un petit peu. Royal Rumble. Allez, ça, on va essayer. Dorio, il m'a montré un Royal Rumble. Ça a l'air trop bizarre. Il faut. Voilà, désolé. Hop, voilà. Ça a l'air trop bizarre. Et c'est réinitialisé dans 33 jours. Ça va. Comment jouer? Royal Rumble, c'est pour qui quelqu'un. Ok, si j'ai bien compris, on peut choisir le type de match, donc on peut sacrifier des cartes, ça fait des trucs comme ça et tout ça. J'espère qu'il y a des gens. La 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 la. En tout cas, ça me motive à faire beaucoup plus de vidéos parce que là. C'est vrai qu'il y a une semaine sans vidéo, mais bon, j'ai eu des gros contrôles et tout ça rentre. Par exemple, pas oublié tout ça, donc
Voilà, là, je veux dire, pour nous, on a conseil de classe lundi, enfin, on a congé, je sais pas comment vous appelez ça, mais lundi et mardi, dans notre école, donc voilà. Et carte suivante, sélection aléatoire. On va envoyer lui. Ah, Mathieu, c'est au charisme. Il est 174 au charisme. On va envoyer au casse-pic de lui. Il m'a sorti une de ses cartes. Ok, il a choisi vitesse. Allez, ça se trouve, il va choisir vitesse. Encore. Puissance. Mais. Non. Mais c'est pas possible. Attendez, il est juste 2 secondes. Donc, j'ai un petit peu avancé, voilà. J'avais compris. Bon, bref. Ok, l'invent, à chaque fois, on. Sacrifier une superstar. On va sacrifier lui. C'est lui qui aura le plus de points comme à la fin. C'est celui qui a une carte. Et à chaque fois on doit sacrifier. Ok. Et là on va sacrifier. Bon bref. Allez il gagne. J'avais pas bien compris à la base. Et on gagne quoi après? Parce que voilà. Allez hop. Ok, 6 pioches restantes, quand faire Booker T et Murphy, Ressa Mendez, Colin Cassidy et Luke Harper. Ok, bon, je fais une élève, puis on fait une petite partie. Maintenant, j'ai compris comment ça marche. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, on va appuyer sur jouer. Et voilà, donc en gros, faut pas que j'envoie mes plus nuls au casse-pipe, il faut que je les garde pour le sacrifice. Donc voilà, bon bref, après c'est tout se joue aux pioches. Mais après, il avait une bonne carte, il tombait sur des courantes, peu courantes, mais le truc qui est bien, en fait, qui est faux, c'est que on perd des poids de plus en plus, donc des fois tu te retrouves... Oh désolé, j'ai eu un message, mais bon, tant pis. Voilà, des fois tu te retrouves avec des cartes plutôt fortes, mais bon voilà. Yes, allez, on met en première celle-là. Oh, charisme, allez. Ok, donc j'évite de choisir charisme. On va choisir vitesse. Ok, maintenant vitesse et charisme, on prend plus. Robustesse en plus c'est nul, donc on peut sacrifier celle-là. Oui, il vaut mieux sacrifier celle-là que John Cena. Allez, maintenant une petite puissance, ce serait bien. Robustesse, il lui en reste quand même pas mal. 200 caisses. Je pense que ça soustrait avec ça. Ouais, là, non, là, il pourrait faire Robustesse, c'est peut-être ça. Okay. On va mettre. Mais on va mettre elle. On va au sacrifice, robustesse, charisme. Charisme, voilà, parce que après c'est vitesse. Ok, ouais. Et on a la main. Vitesse. Et après, de toute façon, c'est robustesse, mais bon, voilà, je veux dire. Voilà, j'aurais pu utiliser une robustesse. Mais... Oh, robustesse. Ok, maintenant c'est mieux d'utiliser une. On envoie celle-là vraiment au... parce qu'il faut en éliminer une. Attends, s'il a moins que 63. Non, on aurait perdu de toute façon. On va envoyer lui. En plus, il va pas rester, donc je vais faire 100%. Comme là, comme il reste pas de tour, bah il gagne pas pour l'instant. Ok, on va mettre en quoi? On va mettre en carré d'abord.
Voilà. Allez. Là, c'est en robustesse. Puis l'autre, c'est en puissance. Ok. De toute façon, on a notre carte. Pour, voilà, tu vas un petit peu tout gérer. Puissance, robustesse. Allez, puissance. J'aurais dû mettre la robustesse pour après avoir une puissance et une robustesse. Bon, voilà, quand tu... carte, là, j'allais dire cette carte, mais bon, voilà. Voilà, et hop, on va mettre une robustesse là, de toute façon 434. Et là, j'aurai du 100% normalement. Yeah, 10-0! J'ai pas de bonus. Oh. Enfin, si je restais plus de tours, peut-être. Et là, 32 trophées d'attichés pour continuer, d'accord. Et là, c'est 12 pioches. D'accord, Samanjo. Univers. Moi, j'adore faire des unboxings et tout ça, donc ça, c'est bien. Puissance, charisme, Braille-back peu courant. Et zombies ultra rares. Yeah, yeah, yeah. Et maintenant, elles sont classe, les nouvelles animations. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, Zombies, c'est pas le top top. En plus, ben, parce qu'on a... Je sais pas s'il pourrait battre Kofi Kingston. Je veux juste vendre modifier le deck. Oh, voilà, déjà ça. Ça, on va un petit peu l'améliorer. Voilà, par-ci, par-là, voyez. Allez. Tac, 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 tac. Attendez. Et on passe de Miss niveau 4. Allez. 32 trophées, c'est bien. Faut voir. En tout cas, moi qui étais très réticent, en fait, j'étais sur un problème. Alors, soit le retour du fauteuil, soit je. Ah, il a 12 trophées. Je voulais pas me défaire de mes nouvelles cartes. Attendez, ellipse, je sais, mais désolé. Donc, je vous reprends en plein match. Donc, voilà. Donc, là, je m'en sors un petit peu bien, comme vous pouvez le voir. 3-2. Ok, un petit peu de puissance, s'il vous plaît. Donc, voilà. J'étais un petit peu mené par une Roddy Piper ultra rare, mais bon voilà. C'est quoi comme carte robustesse? Je suis mal robustesse, mais bon voilà. Allez, faites qu'il a une courante. Ouais bon. Mais bon voilà, allez hop. T'inquiète pas. Ryback est là. C'est ça les gens qui ont deux légendaires, mais après ils ont que des courantes. Ça vaut pas un petit peu la peine, mais bon voilà. Et si vous attendez trop longtemps, ça met la première carte de votre deck. En fait, c'est pour ça que je pourrais vous faire attendre que le match commence, mais voilà. On va d'abord mettre lui, puis après on mettra le John Cena. De toute façon, ok, hop, le John Cena, une théorie à faire contre moi, et voilà. Allez, 8-2, ce qui est un beau score. Un très bon score même. Voilà. 62. Et maintenant on est parti. Robustesse. Robustesse. Money in the bank. Enfin mallette, money in the bank. T'as moi déjà un peu courante. Charisme un peu courante. Charisme un peu courante. Polybear un peu courante. Chimiard, Peloupin, un peu courante. Panou stop courante. Morphe courante, Shawn Michael courante, Natalia courante. Alors, on fait encore un match. Puis après, on s'arrêtera là, je pense. Parce que voilà, j'ai pas forcément tout le temps. Bon, je suis une élève jusqu'à le match. Et ça commence, je pense, contre le même. Athen. Je me battais contre un Athen. J'ai pas mis la Stardust ou Cody Rhodes, vous prenez comme vous voulez, en légende. Ok, on va commencer avec Finn Mimor. Ok, il va mettre sa carte. Donc là, il va un petit peu maîtriser pendant quelques instants. Allez.
Qu'est-ce que je tente? J'envoie une carte au casse-pipe. J'envoie encore une carte au casse-pipe. Là, je suis obligé de vraiment affaiblir le plus que je peux. Allez, on va envoyer lui, on sait jamais sur un malentendu. Sur sa vitesse, ok. Je suis dans la merde. Ok, là je serai plus dans la merde, mais bon, voilà. Ah, robustesse. Peut-être que j'ai une chance. J'ai une chance, mais voilà. Ouais, Karim contre l'Undertaker. Vas-y, mais là, j'ai deux bonnes pioches. J'ai deux bonnes pioches, là. J'ai Seth Rollins épique. Et puis j'ai Dean Ambrose. Robustesse. En fait, j'ai beaucoup de cartes qui vont vers la gauche en robustesse. Et yes, je bats. Et là, c'est vitesse. Vitesse, j'ai fait avec 121. Allez, vitesse. Puissance, pourquoi pas. Puis après, carré, mais j'aurais rempli un petit peu toute la fonction. Allez, carré. Puis après, la carte, elle me servira plus trop à rien. Parce que de toute façon, il me restera robustesse. Et que. Voilà. Allez, robustesse. On sait jamais sur un malentendu, ça peut passer. Lol. Allez, hop, et directement, on va mettre Dean Ambrose en légendaire. Et c'est parti. Allez, hop. Hop. Oh, bah là, j'ai gagné. Parce que vitesse et robustesse, il a été amélioré en plus dans ça. Allez, le gagnant, il gagne 3 points. Faites que je gagne. Ok, bon. Et j'ai gagné Royal Rumble. Allez, 8-3. Oui, tu peux faire cette tête là, Stardust. Brock Lesnar qui nous regarde tout le temps d'un air. Voilà, pas très commun, mais bon, voilà. Robustesse courante. Puissance courante. Kofi Kingston courante. Bo Dallas courante. Samoa Joe peu courante. Rusev courante. Puissance courante. Et la dernière, c'est. Ultimate Warrior rare. Allez, pour le fun. Si on tombe sur une carte rare, une carte non. D'accord. Bon. Et voilà, c'est la fin. J'ai un petit peu tout testé. Sauf le mode classé. Je vais voir si je peux le faire. Ah bah oui. On fait juste un truc de mode classé. Puis après, ben voilà. Ça doit être certainement une genre de coupe. Les meilleurs joueurs du monde exhibition. Si. Et maintenant, si on peut utiliser la carte pour les bears qui donne 7 sur toutes les stats à tout le sexe, surtout sur le top deck. Attendez, je fais une élite. Donc on va mettre qui? On va mettre quoi? Ah. Oui, mais j'ai tapé dans le temps. Le sec sur tout le deck. Eh, mais ça n'a pas changé mon deck, c'est tout. Ah bon, je suis déçu. Mais bon, bref. Allez, pour sauver l'honneur. J'ai pas compris. Pourquoi ça a fait ça? Bon, les 4 pioches. On va s'arrêter là, on fera le mode classé pour une prochaine vidéo, je pense. Ouais. Bon, bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'aura très plu. Mes cartes. Je sais pas, vous, mais. Ouais, ok. Il me semble qu'il est temps de passer à un nouveau champion. Ça veut dire quoi? Un verrouillé, c'est qu'on peut pas le combiner, d'accord.
dans le deck, oui. Mais par exemple, si je fais lui. Non, c'est bien ça, mais moi je veux mon champion. Bon, bref. Ouais. Je ferai ça plus tard. Bon, bref, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant que moi de la faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et pour de futures vidéos sur WWE, Supercard, saison 3. Allez, ciao tout le monde.